descente, elle tue. Déjà, premier coup professionnel, première idée, casting sauvage, on se met des difficultés, c'est un court métrage, on fait le contraire de notre planète. Quoi. Mmh. On travaille avec des jeunes, il y avait aussi une volonté de performance, quoi. Mmh. Donc de faire quelque chose de complexe et qui n'allait pas être simple, et de travailler avec des jeunes. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a tiré à fond, j'ai énormément géré des jeunes publics et tout ça, j'avais vraiment envie de reconquérir cet âge-là que tu perds. Il y avait aussi une autre volonté, tu parlais d'équipe, c'était j'ai repris quasiment toute mon équipe d'étudiants. Donc, mon chef-op, c'est son premier cours, ouais. Ma monteuse, c'est son premier cours. Donc, c'est en fait toutes des personnes qui font pour la première fois un film. Mon chef son, je pense que c'était son deuxième court-métrage pro. Donc, c'était vraiment une très, très jeune équipe. Je n'ai pas tourné avec des gens expérimentés. Mais ça, c'était aussi parce qu'on est déjà des jeunes. C'est déjà compliqué de s'intégrer dans le milieu. On a enfin l'occasion de faire un film. On ne va pas reprendre tous des gens qui ont déjà leur place. Donc l'idée, c'était de redonner la place à tout le monde et de recréer une équipe. Tiens, Carl, c'est lui que je t'avais parlé la dernière fois. Salut, Carl. C'est quoi encore ton nom, toi? Nathan. Moi, on m'appelle Titan. Qui t'appelle comme ça? Non, mes potes. Ah ouais, c'est potes. Malik m'a dit que tu voulais participer. Ouais. Il t'a expliqué les règles? Ouais. Vas-y. Moi, je dis, on commence maintenant. Déshabille-toi. Tout. Non, Captain Casson, espèce de PD. Tu te places. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. La première, il faut que dans, on va dire, ces 20 minutes, il y ait une émotion, un frisson qui soit généré. Que ce soit à la fin ou au milieu. Mais il faut réussir au moins à générer un frisson, une émotion. Si en 20 minutes, on arrive à générer un frisson chez le spectateur, une émotion, on a gagné le court-métrage et réussi. Et la deuxième chose, ça c'est, je pense, pour plein de cinéastes, t'as 15-20 minutes, mais je veux absolument qu'après les 15-20 minutes, j'ai suffisamment détaillé mon personnage principal pour qu'une fois qu'on ait fini ce petit court-métrage, on ait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est un peu réel, parce que comme le petit Titan, on a plein de choses à se dire sur lui, on peut réfléchir à fond sur lui, on peut se dire « Ah oui, ce petit garçon, il est arrivé ça, il fait ça pour ça, il est comme ça, ça, c'est sa véritable personnalité », et à la fin, on est un peu accueilli comme un ami. Ça, c'est mes deux objectifs dans tous les court-métrages. Et ça, c'est vraiment des guidelines que je me suis toujours fixé. Alors, c'est très narratif, tu vas me dire, mais ça revient toujours dans cette espèce d'idée de scénario. Je suis fan de scénario, tu vois. C'est pour ça que j'espère toujours écrire mes propres films et les réaliser, ou alors écrire des films pour les autres. Ça me plairait tout autant. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.